Bonsoir, bonjour les petits humains, nous sommes dans cette vidéo de Pikmin et nous sommes à l'épreuve finale. La fameuse épreuve finale, celle que je crains à mort. Celle qui vient de crasher. Ou pas. J'ai eu peur, hein. Ok, là c'est vraiment du... Comme d'habitude. On va en prendre 35 là. Regardez, c'est tellement chaud qu'il y a de chaque la possibilité. Pour les Pikmin jaunes, on va en prendre 30. Hein. Je pense pas que ça soit utile, mais bon, quand même. Et ben 35 aussi pour les Pikmin bleus. Limite, les Pikmin rouges, je crois qu'ils servent aussi à rien un petit peu. Je crois qu'on peut feinter avec les Pikmin bleus aussi. J'ai envie d'essayer. Ok, les Pikmin bleus. Les Pikmin bleus, de toute façon, ben, les Pikmin bleus, c'est le plus important là. Est-ce qu'ils nous produisent le chemin, le bon chemin pour la suite? Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, quand je vous... Vous voyez quand je vous disais que les Pikmin bleus, ils les sauvent. C'est la première fois que je vois ça. Bah voilà. Mais on peut feinter comme ça. On va faire très attention du coup. Hop. J'espère juste que je me suis pas raté. Ah, il en manquait un. Technique de speedrun. Enfin, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il faut faire comme ça quand même, hein. Avec les bleus. Ah non, il va cramer lui. Fonce, cours pour ta vie. Montre à tes parents que tu es le meilleur des enfants. Parents qui sont morts. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah voilà, j'ai eu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ils peuvent déjà commencer à préparer ça. Et les autres, ben, ils peuvent s'occuper de faire ça. Quant aux rouges, ils vont rester là, ils vont se tourner les pouces. Je rigole pas, ils vont vraiment faire ça. On va quand même les rapprocher, histoire de gagner du temps. Par contre, il y a un petit Pikmin bleu, c'est un petit filou quand même. Voilà. S'il y en a un qui tombe, il est mort, hein. Il est foutu en fait. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ben voilà, celui-là il est foutu. Mais oui, le temps que je l'appelle, à moins que j'avais le Pikmin bleu, ben... malheureusement. Et ça m'attriste sur le coup là quand même. Mais non, mais... Non, mais qu'est-ce qu'il fout? J'espère que c'est suffisant. Sinon, je retourne à la dernière sauvegarde. Hein. Bon, celui-là, on va les laisser là. Pour le moment. On les récupérera plus tard. Voilà. En fait, je crois que l'épreuve finale, elle sert juste pour ceux qui ont vraiment compris le jeu. Hein. C'est... Voilà. Glisse pas, glisse pas. Je commence à transpirer son coup. Voilà. Et les autres là-bas, ils ont fini?
On les fera continuer plus tard. Ils vont faire plutôt ça là parce que. On perd du temps! Pour les autres, les jaunes, on va les. J'essaie de faire en sorte de pouvoir les récupérer quand même. On va déjà les mettre de l'autre côté. Si jamais ils ont des bombes, c'est déjà bien. C'est mieux. Par contre, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir des bombes là. Là, je recommence la vidéo. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez, on croise les doigts. Pitié. Oui. Ouf. C'est une chance. Ouais, mais non, j'ai pas confiance en aux deux là. Vous, vous allez rester ici, vous. Ok, on va les faire passer tranquillement par là. Ils vont pas se casser la figure surtout. On va chercher les deux Pikmin jaunes manquants là-bas. Regardez, j'ai eu le temps de venir. On va les laisser là, ils vont pas bouger. On va aussi récupérer les Pikmin jaunes. Regardez-moi ça. Vous voyez le truc là, qu'on voit là? Ben ça, c'est le boss de fin. Oui. C'est ce... ces petites machins là. Quoi déjà? Bon, en même temps, avec ce qu'il y a devant, on peut comprendre. Mais quand même. Ils sont motivés. Ils savent que je sais ce que c'est. Et ils savent ce que c'est. Voilà. Bon là on va prendre tout le monde carrément. Venez vous deux. Là j'ai confiance en vous. Plus ou moins. Et surtout, surtout, on va faire très doucement. C'est très français. Ça va pas le faire s'il y a déjà des gens qui font n'importe quoi. Pitié, j'espère qu'ils vont pas foncer avec les bombes. Ok, bon. Alors, les Pikmin bleus, techniquement, ils servent à rien. Bah oui, ils servent à rien, voilà. Ça, c'est dit. Les Pikmin jaunes, malheureusement, on va prendre des bombes, ils vont servir de kamikaze. Voilà à quoi ils vont servir. Je déteste ce moment du jeu. C'est pour ça qu'on prépare déjà les bombes, en fait. Mais je vais essayer de faire en sorte de ne pas les tuer, les Pikmin, en fait. J'ai pas très envie qu'ils meurent. J'aime pas, c'est cruel. C'est cruel comme méthode, mais c'est la seule façon. J'ai jamais vu d'autres méthodes, en fait. Voilà, on va les laisser récupérer des bombes. Et nous, on va réveiller la... On va... Non, mais restez là-bas! On va réveiller la chose. Voilà, ça m'a même pas fait mal, mais bon, c'était obligatoire. Est-ce que ça va lui faire mal? Ça fait vraiment penser au boss de... Ça fait vraiment penser à Bowser. Comme musique. Mais non, mais tire-lui dessus! Allez hop, on peut le frapper. Mais il fait super... Il est pas... Ah non! Non, non. Oh.
celui-là, je vous préviens, il va pas être fait en un jour. Hein. Ah! Vous savez quoi? Sadique sur 20. Hop. À l'attaque chargée. Ouais, bah, c'est foutu là. Ok, bon appétit, hein, monsieur. Hein. Je suis désolé. Oh, le E-rap! Oh, le. Oh, les oreilles! What? D'où il y en a 22? Ah, mais il y a plein de Pikmin bleus là-bas. Faudrait peut-être les sortir parce qu'ils servent à rien là actuellement. Non, parce qu'ils servent vraiment à rien en fait. Les Pikmin bleus là, ils sont. C'est les choses les plus inutiles du monde là. Ils sont pas forts, ils ont juste l'eau en fait. Et les Pikmin jaunes, ben c'est les kamikazes. Et c'est la seule façon de réussir ce boss, c'est ça le pire. Jamais vu de vidéo où le boss, ben, il se faisait battre comme ça, directement. Sans faire le kamikaze. Enfin, sans que les Pikmin jaunes ne fassent les kamikazes, quoi. Enfin, après, qu'ils se font pas manger, ça j'ai déjà réussi, mais c'est dur, quoi. Par contre, il avait du mal à monter, lui. Hein. Il était trop choqué, lui. Fais-moi tous mourir. Ok, maintenant, on va en descendre 50. Et voilà. Y a pas un endroit pour avoir du nectar. Là. Juste quand j'en demande quoi, la seule fois où j'en demande. Ah ouais mais non mais il est là-bas en fait. Faut passer par le gros monstre. Même l'émulateur il veut pas qu'on y aille. Oh mais il est tout prêt en plus. Il va falloir faire attention. Et le pire c'est que si j'arrive pas à finir dans cette journée, bah le lendemain il aura regagné de la vie en fait. Et le pire c'est qu'on a combien? Ouais dans l'oignon on a 200 Pikmin jaunes. Ça va être très boss Bowser en fait je trouve. Ça m'étonnerait grandement que j'arrive à le battre. Là maintenant, aujourd'hui, non, ça m'étonnerait. Je pense que ça sera pour la prochaine vidéo sur le coup, mais on va quand même essayer de l'affaiblir un petit peu. Le problème, c'est qu'il regagne sa vie le lendemain. Enfin, pas tout, mais il en regagne quand même. Monsieur! Ok, ça n'a servi strictement à rien. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Revenez! Allez, vite. Allez, le jaune. Oh, mais non, va-t'en. Ah, c'est bon, il a un petit peu d'âme quand même. Enfin, quoique ce truc avec une âme, ça m'étonnerait. Hein. Bon, hop, toi, viens. Non, n'empêche, c'est moi qui n'ai pas d'âme, vu ce que je fais avec les Pikmin. C'est cruel, quoi. Surtout pour l'objet qui est à la clé, quoi. Pour ça, quoi. Faire ça, pour ça.
J'aimerais juste le battre ce soir, quoi. Va-t'en, va-t'en, t'as pas le droit. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah non, pas ce truc-là. J'aime pas quand il fait ça. Non, revenez. Allez, allez, c'est la fin de la soirée. Vite. La vidéo, je pense qu'elle s'arrêtera pas, peut-être, ça dépend de si j'arrive à le battre au dernier moment. Oh purée, vite. Ok, c'est foutu. Non, reviens-toi. On y va. Nous partons bredouiller. Du coup, je sais pas si ce sera la fin de la vidéo. Bon bah on y va quand même. 15e jour depuis le crash. Bulbax Empereur. Mon radar m'indique qu'un spécimen géant de Bulbor a avalé la dernière pièce du Dauphine. Comment puis-je attaquer cette bête gargantuesque? Les bombrocs des Pikmin jaunes devraient être efficaces. Oui. Et regardez-moi la chute des Pikmin. Surtout ceux des jaunes quoi. Les bleus ils ont rien. Les rouges ça chute énormément. Et les jaunes... Bon, ben, on y retourne.